Bonjour. J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas le génie de Da Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. J'ai pas ces choses-là. J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali, plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks, ni le courage de Mandela. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça baby. Je suis pas un superman, loin de là. Moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait, c'est déjà ça. Oh. Devinez, c'est un tuto sur quelle chanson? Soul Man de Ben l'Oncle Soul. Plusieurs choses intéressantes dans ce morceau-là. Il y a déjà l'intro. Puis les accords que je dirais niveau un peu intermédiaire, dans le sens où il y a des barrés, hein, et il faut qu'ils sonnent assez sympa. Les barrés, c'est un choix, hein. C'est un choix pour pouvoir tout gratter d'un coup. Et puis des accords à 4 doigts en fait. Et c'est ceux-là qui font enchaîner entre barré, 4 doigts, barré, 4 doigts, qui sont un peu plus tricky. Du plaisir, parce qu'elle est cool cette chanson-là. Et ensuite, c'est sympa parce qu'on peut apprendre des noms d'accords un peu différents. On est sur des accords... Ouais, que des accords de... à septième, comme on les appelle. Alors, voyons ces accords-là. Le tout premier, c'est un si bémol 7. Il faut que vous trouviez d'abord un si bémol sur la corde de mi. Ok, donc là, ça va faire mi, fa, sol, la, si, bémol, donc on se retrouve sixième case, on y fait notre barré, et là vous venez placer, comme un mi quand vous le faites ici, vous venez placer votre mi majeur. Évidemment, ça demande d'avoir une base sur connaître ces accords ouverts déjà, donc en connaître 5 ça suffit, à savoir do, la, sol, mi, ré. Voilà, je vous le montre dans une autre vidéo. Si vous voulez aller regarder cette vidéo sur la chaîne. Ensuite, pour faire un accord septième, vous enlevez le petit doigt. Et voilà. Ça vous donne un si bémol 7. Deuxième accord qu'on enchaîne, c'est un mi bémol 7. Et pour trouver un mi bémol 7, cette fois-ci, on va trouver la note de mi bémol sur la corde de la. Donc ça fait la, si, do, ré, mi. Et du coup, je fais une case en moins, mi bémol. Cette fois-ci, j'y mets l'annulaire. Et cette fois-ci, je vais placer comme si je faisais un do. Voilà. Et je le mets ici avec l'annulaire sur mi bémol. Ensuite, je mets mon petit doigt case 6 sur ma corde de sol. Et là, je gratte pas le mi grave ni le mi aigu. Je gratte qu'à l'intérieur. Donc si là, je le touche, bah... En fait, c'est mon index qui vient venir l'étouffer en le touchant un petit peu, et là... J'ai beau le toucher avec ma main droite, il sonnera pas. Et en haut, c'est pareil, je peux venir mettre le pouce. Et là, je gratte tout comme un bourrin, il se passera rien. Que des choses bien, il y aura les notes que je veux. Troisième accord, et là on aura à peu près le couplet, ou du moins déjà trois accords à pouvoir tourner. Cette même position, on va l'amener en fa 7. Et cette fois-ci, bien entendu, comme on a fait, il faut trouver un fa sur la corde de la. Pour le coup, ici, si tu veux pas chercher, il se trouve sur la case numéro 5, 6, 7, 8. Et là, pareil. Donc ces trois accords-là, on peut déjà les enchaîner d'une manière plutôt simple. On va les entraîner, on va les jouer comme ceci. On va jouer sur 1, 2, et 3, et 4, et 1. 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4.
Donc, si bémol 7, 1, 2 et 3 et 4, mi bémol 7, 1, 2 et 3 et 4, si bémol 7, si, 2 et 3 et 4, fa 7, 1, 2 et 3 et 4, et on tourne. 4. Je vous le mets pendant 2 minutes. Si vous voulez voir la suite et que ça c'est déjà bon, allez dans le timecode pour aller à la suite des accords. Du plaisir! 1, 2, 3 et 4. 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 1, 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2. Si vous avez besoin sur YouTube, sur le petit engrenage, là vous pouvez réduire la vitesse de la vidéo, comme ça vous réduisez carrément la vitesse. Sinon, vous pouvez garder cette vitesse de la vidéo, mais cette fois-ci, jouez seulement 1, 2 et 3 et 4 et 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 1. Comme ça, vous jouez seulement le 1 et ça vous laisse 2, 3, 4. Pour préparer l'accord suivant qui se jouera sur le 1. Technique que j'utilise pratiquement toutes les semaines sur tous les nouveaux morceaux avec ceux qui veulent prendre, ceux qui prennent des cours avec moi, et ça marche du tonnerre pour ceux qui ont suivi sur le tuto de zombie, et pourront vous dire que ça a bien marché. Très bien, donc dans le quelle heure que j'ai cours moi. Donc dans la suite de la chanson du couplet, on est toujours sur le couplet. Donc ça fait « J'ai pas le regard de Spike Lee, j'ai pas le génie de Da Vinci. » Là on reprend « J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. » Et cette fois-ci, au lieu de retourner sur Si bémol 7, on va directement sur un autre accord, le Do 7, dans cette position-là. Donc comme tout à l'heure, il faut trouver sur notre corde de La un Do. La, Si, Do. Avec l'annulaire, donc je fais mon Do plus mon petit doigt, corde de Sol, troisième case. Et voilà, j'ai un Do 7. Après le Do 7, je vais jouer un Fa, ici. Fa ou Fa 7, si c'est plus facile pour vous. Mais Fa, j'aime bien, moi, comment ça sonne dans la chanson. Donc ça fait 1, 2,
2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, ta, la, tum, ta, pum, tum, ka, pum, tum, pum, ka. Et encore, boum, tcha, boum, tcha, boum, tcha, boum, tcha, do 7. Boum, tcha, boum, tcha, fa. Ok ? On refait ça ensemble. Donc, si bémol 7, mi bémol 7, si bémol 7, fa 7, si bémol 7, mi bémol 7, do 7, fa. Et c'est la fin. C'est la fin d'un couplet. On y va, je commence avec le chant. Ta-da, 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 ta-da. Encore. Et cette fois-ci, après do 7, au lieu de faire un fa ici, donc cette fois-ci un fa sur notre corde de mi, mi, fa, on va cette fois-ci jouer le fa sur la corde de la. Comme on l'a fait tout à l'heure en fait. Et il était 8e case. Oula, 8e case. Voilà. Donc du coup ça faisait... Plusieurs cordes à mon arc, la ferveur aux apparts, ni le courage de Mandela. C'est là qu'il fait ça. Et du coup, on va jouer le fa 7 plus aigu. Et là, on a fini les deux premiers couplets. On se les bosse lentement, je vous mets ça pendant 2 minutes après. Et si vous le savez déjà ou que c'est facile, et ben vous passez au refrain. 3, 4. 1, 2 et 3 et 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 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, do 7. 1, 2 et 3 et fa. 1, 2 et 3 et 4. Encore. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 4, 1, 2, et attention, do 7, 1, 2, et 3, et fa aigu, 1, 2, et 3, et 4. Bravo déjà si vous, si tu, es arrivé jusque là. Couplet maintenant. Alors, le fameux couplet, on joue les mêmes accords, sauf un qui est nouveau. Donc si bémol 7, 1, 2, et 3, et 4, mi bémol 7. Cette fois-ci, on va pas le jouer sur toute la mesure, donc pas sur les 4 temps, on va le jouer sur les 2 premiers temps. On va faire 1, 2, et 3 et 4. 1, 2, et 3 et 4. Donc là, on a 2 accords sur une mesure, donc sur 4 temps. Mi bémol 7, 1, 2, fa 7, et 3 et 4. Ok, donc ça va faire. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça baby. Je suis pas un superman, loin de là. Ok, on fait ça 2 fois. Ensuite, on le refait 1 fois. 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. 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 Très bien. Ensuite, on reprend comme d'habitude. On va faire si bémol 7. 1, 2 et 3 et 4. Ensuite, nouvel accord. Sol 7. Alors peut-être certains connaissent le sol 7 comme ça. On va pas le faire sous cette forme-là. Il va être un peu compliqué à enchaîner. Cette fois-ci, on va le faire de la même forme que le si bémol 7. Donc de la même manière, on trouve un sol sur la corde de mi, mi, fa,
sol. Encore une fois, si tu veux apprendre à faire ça, j'ai une vidéo là-dessus. On fait notre barré et on place, comme notre si bémol 7, la forme de mi. Ok? Mi, et j'enlève le petit doigt. Donc, 1, 2, et 3, et 4. 1, 2, et 3, et 4. Do 7. 1, 2, et 3, et 4. Et fa. 1, 2, et 3, et 4. Ok? On le refait, on récapitule. Donc ça fait 3, 4. 1, 2, et 3, et 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 4. 1, 2, sol, 7, après. 1, 2, et 3, et 4, do, 7. 1, 2, et 3, et 4, et fa. 1, 2, et 3, et 4. Je vous le mets pendant 2 minutes. Vous ralentissez si besoin avec YouTube. Du plaisir! 3. Maintenant l'intro. Alors, on est sur corde de mi grave. Donc pour l'intro, on est sur si bémol, donc corde de mi, sixième case. Et on va faire, l'idée c'est de répéter après moi, 3, 4. Boum, 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 boum. 3, 4. Boum, 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 boum. Et 3, 4. Boum, 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 boum. Ok, ensuite. 3, 4. Boum. Donc dans l'idée ça fait tam tam. Donc là on commence 6ème case corde de la et on finit 10ème case corde de la. Donc au lieu de faire tam tam, on va faire tam. Et on va faire un slide de 8 à 10. Oula, 8 à 10. C'est ça, donc cette note là on veut pas l'entendre. On veut directement, c'est celle-là qu'on veut entendre, mais on lui donne un petit style. Boum, 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 pam, pam. Ok ? On répète ensemble. 3, 4. Boum, 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 boum. 3, 4. Boum, 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 pam, pam. Et 3, 4. Boum, 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 boum.
revient sur le La, case 6. Donc le... c'est un Mi bémol. Poum, 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 poum. Ok. Pam, pam, slide. Je reviens. 10, 8, 6. Ensuite, encore, on va repasser par un slide. On va faire 6, slide à 10. Je passe sur l'accord de Ré. 8, 10, 8. Et juste après, donc ça fait... Ok ? Donc si on répète, ça fait... Boum, 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 boum. Pam, 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 pam. D'accord ? 3, 4. Boum, 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 boum. Voilà ce qu'il y a après. Slide jusqu'à 10. On revient sur le fa qui est ici à la 8ème case, corde de la. Et là, si vous voulez, vous pouvez faire le fa. Deux fois. Donc ça fait. Ok. Donc en entier, ça donne 3. Donc avant de le faire en entier, on a au tout 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 début, il y a ceci. Donc là c'est un hammer-on très rapide. On va à peine avoir joué corde de la 6ème case qu'on va avoir tapé avec l'annulaire 8ème case. Je grade qu'une fois à la main droite. Hein. Il n'y a pas de... C'est... Ok, on n'est pas chez les Red Hot. C'est pas les Red Hot. On est sur... Et après, on y va. Ok, donc ça donne ça. 3, 4. Voilà, sur Instagram, donc le moment musique, utile, je sais plus s'il est utile, mais en tout cas je crois que c'est le moment musique, je vous mets le lien. Sur Instagram, bah, comme c'est pas facile pour certains de trouver du temps, bah voilà, sur Instagram, si vous allez dans mes reels, dans mes réels, a priori on dit en français, je fais des courtes vidéos pour vous rappeler par exemple comment trouver... facilement notes dans un accord, ou bien quelques petites mélodies sympas à copier, ou des intros comme dans Soulman par exemple. Voilà. Ça peut être inspirant pour certains, trouver des chansons à jouer, puis rappeler quelques petits principes qui vont vous rentrer dans la tête tout seul. Voilà, à plus tard.